Bonjour à tous les amis, ici le carter rouge qui part pour Kevin avec les stickers, etc. Et celui-là, on l'avait zappé. Le haut moteur Simonini, il était là-bas. Donc, pour monsieur Evesque, allez, moi j'emmène tout ça à la poste et on se retrouve après le jingle. T'as compris ou pas? T'as compris ce qui se passe? Alors, si tu veux, ça c'est mon moteur perso en 70cc fast. Alors, je l'ai passé au banc, si tu veux, la dernière fois, il faisait 26 chevaux 5. Bon, j'ai dit je le vends, mais je le révise ou quoi. Bref, le collègue il m'a dit vas-y, tu me mets un piston neuf, tu me le révises, et puis c'est bien. Donc j'ai remis un piston neuf. Là, quand je l'ai reçu, au lieu d'avoir un piston Poulini, j'ai reçu un piston qui est vendu par Too Fast, donc c'est un piston Météor. Et là-bas, j'ai fait le mauvais. Voilà. Si tu veux, j'ai pris le squish. Hein, j'ai pris le squish, donc je l'ai remis au squish d'avant, hein, donc c'est-à-dire pour comprimer à 16 à peu près. Et comment te dire, je me suis dit, bon, allez, je fais confiance, le piston, ça doit être le même, tu vois. Si le squish, il est pareil, il est pareil. Et en fait, le dôme, il doit être un peu moins, enfin, même pas mal moins prononcé. Et ce qui se passe, comment dire, si tu veux, le dôme, il est vachement plus plat. Donc, le moteur, bah, il comprime pas. Je me suis dit, sans si je le mets au banc et que ça marche pas, ça sera ça la panne. Tu vois, j'aurais mieux fait, au final, de mesurer avant mon rapport volumétrique. Parce que là, tu vois, je suis complètement dans les choux. Je suis à... Enfin, dans les choux, je parle des choux, hein, je suis à 15. 14, enfin, ouais, je suis à 15. 15, pour moi, c'est pas assez là-dessus, donc je peux pas virer de joint en base, ou très peu, hein. Mais donc, à mon avis, je vais reprendre le plot un petit peu. Mais bon, c'est ennuyant, quoi, c'est ennuyant. Bref, comme quoi, tu vois, il faut toujours prendre ses valeurs, sinon, bah, tu te retrouves avec des problèmes comme ça, quoi. Voilà, donc là, je viens de reprendre mon squish, hein, au cas où je me sois planté, ça peut arriver aussi, tu sais. Mais non, j'ai bien j'ai 0,50 de squish, tu vois. Et donc, avec 0,50 de squish, je comprime à 15. Là, j'ai un joint de 0,10, tu vois, je pourrais enlever un petit peu, mais bon, ça va pas me comprimer assez. Donc, on va reprendre un petit peu le plot. Donc, c'est-à-dire qu'on reprend ici, sur la bande ici, hein, pour recomprimer, mais là, le squish va se serrer, donc il faudra reprendre aussi la bande de squish. Mais ici, du coup, si tu veux, l'angle là, hein, la chambre de combustion, elle se rapproche du piston, donc ça recomprime. Alors, seul souci, c'est que là, si tu regardes bien, en fait, le couvre-culasse, ici, tu as les pattes, là, qui viennent appuyer aussi sur le couvre-culasse. En fait, si tu veux, le plot est vissé par les goujons, il n'a plus le cylindre, mais le couvre-culasse vient aussi serrer, hein, le plot, lui aussi, sur le cylindre. Donc, il faut reprendre, si ici, je reprends de 2/10, la bande, là, enfin, la surface d'appui, il faut que je reprenne aussi de 2/10 ici la surface du couvre-culasse. Et tu pourrais te dire, tu comprimes, tu retasses le plot en dessous de 0,4, c'est pas grave. C'est. À 0,4, tu peux commencer à venir lécher le piston. À haut régime, il peut commencer à lécher dans le plot.
J'en causais avec Alexandre, hein, qui avait mis, je crois, c'était 0,38 ou un truc comme ça. Je lui ai dit, t'es malade, j'ai le piston, on va taper. Mais non, non, non. Et quand il a démonté, en fait, bah, ça avait léché déjà tout le tour. Hein, Alexandre? Allez, les calculs de la mathématique, c'est bien, les relevés, c'est mieux. Alors, j'ai 0,53 de squish à peu près avec un joint de 0,10 et 16,22 à 1 de rapport volumétrique. Donc, pour moi, là, on est super bien. Hein, donc, j'ai plus qu'à aller reprendre ici un bon gros 3 dixièmes hein, sur le couvre-culasse et ça sera bien. Là, on va retrouver la braise. Rad. Mais tourne, je te montre un truc. T'as reconnu ou pas? Un plot de culasse. Alors, si tu es amené un jour à en usiner un, ce que je te conseille quand tu prends ici la bande, ici, si tu la reprends au bout, ton outil ici, tu viens pas le rencontrer ici avec la partie qui rentre, tu viens creuser comme ça exagérément. Là, je t'exagère le truc. Hein. Pourquoi tu fais ça? Parce que ton outil il a un rayon. C'est pas dur. Hein. Tu avances, tu avances, tu avances, tu avances, et quand tu viens commencer à lécher là, tu pousses un petit coup dans la matière. Tu vas faire une encoche comme ça, grossièrement. Mais en fait, c'est pas vraiment ça que tu vas faire. Parce que ton outil, il a un rayon, forcément. Et donc, si tu arrives juste au bout et que tu viens lécher là, ce qui va se passer, c'est que tu vas faire un rayon comme ça. Et donc, le rayon, il va taper dans le haut du cylindre. Quand tu vas venir mettre ton cylindre, ici, et bien forcément, il y aura, vu que ton cylindre, lui, il est à l'équerre, et bien ça va forcer ici sur l'angle. En forçant sur l'angle, ça va forcer sur tout l'alu et ça va faire gonfler ton icosil ici à l'intérieur. Et donc, tu as des chances de le décoller ou de serrer. Tu vas me dire, gros, on voit rien que ton bras. Mais j'ai pas envie de refaire l'explication. Je suis trop fatigué. Tu le sais pas, mais bon, là, on est déjà le soir. Hein. Puis moi, je te jure, je me suis couché trop tard hier. Oh bah, j'ai regardé le débat sur BFM TG. C'était marrant. Gilets jaunes versus le reste du monde. Et j'ai fait du banc, hein, tu vois, parce que j'ai insisté bêtement. Je savais d'ores et déjà que certainement si ça marchait pas au banc, ça serait à cause du piston. Mais ça marchait pas, mais il a fallu que j'insiste, tu vois. J'ai fait allumage, carb, machin, chercher. Vrai demeuré, quoi. C'est tout. Bah, c'est tout, hein. Voilà, on aime bien. Bah, il faut que ça se fasse aussi. Alors là, je vais annoncer des choses. J'espère que je vais pas me planter. Normalement, demain midi, je vais essayer de sortir un vlog impression 3D. J'aime pas m'avancer parce que généralement ça foire. Demain soir, de 19 à 21 h, c'est le life. Hein, tu connais le life pour gagner la casse-poète, Maxi Scoot. Et normalement, le shaft que je ferai demain ici, je vais essayer de le poster samedi. Bon. Alors donc, normalement, il n'y a rien qui va marcher sauf le live. Hein. Parce qu'à chaque fois que j'annonce, ça foire. Bon, je vais essayer de faire ce qu'il faut. Allez, c'est tout. Je vous remercie tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve demain pour le live. Ciao, bonne soirée, bye.